Salut à tous, c'est Kira, on est de retour sur le meilleur jeu du monde. Oui, c'est bien entendu un Little Goose Game. Hein. J'aime tellement ce jeu que franchement, c'était un plaisir à chaque fois de vous refaire une vidéo dessus. Donc on avait terminé un nouveau level et on est parti pour deux nouvelles tâches à accomplir. Donc elles sont ici. On va devoir entrer dans le pub, casser la cible, obtenir le petit bateau, faire tomber le vieil homme, etc. etc. Bon, pour l'instant, ça nous dit rien. On va regarder un peu ce qui se passe dans le décor. Déjà, la première chose à faire, c'est d'entrer dans le pub apparemment. Voilà. Donc allons-y. Et on va voir un peu ce qu'on peut trouver. Donc c'est un pub. On a un homme juste là. Bah, je vais juste passer devant lui tranquillement. Hein. Salut! Ah, bon déjà on peut pas passer. Ah, ça c'est intéressant. On va bien trouver quelque chose. On va bien trouver un passage. Peut-être en passant par là. Ou alors il va falloir faire diversion. Ah oui, donc là il nous bloque vraiment le passage. Hein. Ah ben on va pouvoir rentrer par là, c'est obligé, non? Même pas. Est-ce qu'on peut choper le carton? Là, je vais y ramener le carton. Tiens, un carton. Tiens, mais je te ramène un carton. Oh, regardez ce qu'on peut faire. Il m'a pas vu. Attends, il va vraiment prendre le carton? Non! Il m'a vu! Oh là là, je pense qu'il va falloir attendre que la femme revienne. C'est bon, c'est bon. C'est bon, ils m'ont pas vu, ils m'ont pas vu, ils m'ont pas vu. Ils m'ont pas vu. C'est bon, regardez, la femme va prendre le carton. La femme va prendre le carton, elle va rentrer avec. Oh! Ça fonctionne! Incroyable. On va réussir à rentrer du coup dans le pub. On va peut-être arriver. Ah non, on va bien rentrer dans le pub. Ok, parfait. Très bien. Casser la cible. Alors on voit pas de quoi il parle pour l'instant. Mais putain, il y a énormément de monde là par contre là. Hein. Commence à y avoir de plus en plus de personnages. Qu'est-ce qu'il s'appelle de casser la cible? Obtenir le petit bateau. Est-ce que je descendrai pas? Ah! Salut! Faire tomber le vieil homme sur les fesses! Quoi, c'est un homme ça? Je pensais que c'était une femme. Bon bah écoutez, on a réussi deux tâches, on a rien de temps. Alors, obtenir le petit bateau. Je vais aller visiter un peu. Salut! Oh, vous êtes. Oh là là, vous m'emmerdez, hein. Ah, il y a un passage, attendez, il y a un passage là juste en dessous. Oh! Ah, faut peut-être pas repasser devant l'homme parce que. Ils vont. Ah non, mais ils veulent nous virer du coup! Non! Ils veulent nous virer! Au secours! Aidez-moi! Non, mais il va me suivre jusqu'à. Au secours! Au secours! Ah. Pas me laisser tranquille! Ah ouais, non, mais regardez, il essaye de me virer vers la sortie! Regardez comment il se déplace! Je vais te dégager. Ah, il va pas me lâcher, putain, il va pas me lâcher, il va me saouler. Bon, obtenir une fleur en récompense, voler une chope vide et la jeter dans le canal. Ah, ça, on peut faire ça. Ça, je pense que c'est plutôt simple. Une chope vide. Attendez, des chopes, il y en a plein, non? Ça, c'est facile à faire. Là, 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 il y a une chope. Ça, c'est une chope vide. On va la récupérer. Voilà, et on va la jeter dans le canal. Donc là, il va falloir obligatoirement sortir, du coup. Sauf s'il y a un passage par là. Non, on peut pas aller de ce côté-là. Ça, c'est pas un canal, ça. Ouais, va falloir qu'on sorte. Bon, on va sortir du coup, et va falloir re-rentrer par la suite. Ah, y a... Non, je voulais pas la casser. Je voulais regarder la bouche d'égout. Merde. On va aller rechoper une chope. Rechoper une chope. Il n'y en a pas qu'une, de toute façon. Merci pour la chope. Y a quoi, là-bas? Oh, mais il y a tellement de choses aussi. Il y a tellement d'éléments, mais en vrai, il y a beaucoup d'éléments qui servent à rien. Oh, oh, enfin, qui servent à rien. Qu'on peut utiliser, mais qui sont pas utiles dans les tâches. Moi, je vais ressortir, hein. Je vais repartir, hein. Oh non, mais c'est bon, non, mais je me vire tout seul. Non! Oh non, ma tasse! Oh, mais non, merde! Oh, attendez, attendez, il y a un truc à faire là. À faire couler l'alcool. Que l'alcool coule à flot. Je suis en train de tout péter. Les assiettes, hein. Bah alors? On est bloqué? Non, on peut pas rentrer dans le pub. Ouais, on peut pas rentrer dans le pub. Alors j'ai envie quand même d'essayer de refaire la quête là, de voler une chope vide et la jeter dans le canal. Mais je vous avoue que si je me refais choper par le mec, ça va être un peu chiant.
Obtenir une fleur en récompense. Bon, on peut essayer de mettre la table en vrai. Couteau, fourchette, assiette, poivre, bougie. On peut essayer de faire ça. Alors, sur n'importe quelle table? Bon, attendez, on va choper l'assiette. Non, mais. Oh putain, un message. Oh là là, ça m'énerve. Non, mais. Non, mais laisse-moi tranquille. Je veux jouer tranquillou. Comment il regarde l'oie? Non, tu ne rêves pas, non. Il y a vraiment une oie. Là, il y a encore un passage. Oh, on peut arriver de l'autre côté. Ah, regardez ici. On va être la table là. Oh, d'accord. Eh bien, écoutez, j'aurais pu chercher pendant longtemps. Il y avait un passage. Nice. Ok, bon, ça va être un peu plus simple. Donc, il faut récupérer couteau, assiette, poivre. Donc, le poivre, on l'a vu, il est positionné sur la table. Juste là-bas. Voilà, on prend le poivre. Excellent. Ah, mais on peut passer en dessous la table de cette façon aussi. Ah, mais il y a plein de cachettes. Il y a plein de cachettes. On va ressortir de ce côté-là. Salut! Au revoir. Où sont mes oies bien poivrées? Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Pour ceux qui ont la référence, encore une fois, j'aime bien sortir des petites références. Voilà. J'ai vu une oie, j'ai vu du poivre, forcément. Je fais le raccourci. Couteau assiette. Couteau assiette, et après il nous faudra une bougie. Alors j'ai pas vu du tout la bougie par contre. La 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 la. Couteau. Couteau assiette. Alors le couteau, il y en a un ici. Oh non putain. Oh laisse-moi tranquille. Je vous en supplie. Je vous en supplie, laissez-moi tranquille. Alors l'assiette, on l'a. Vas-y, passe par là, passe par là. Nice. Bien joué. Ah, faut vraiment jouer avec les tables. Hein. Hop. Alors ça, c'est la tâche qui met toujours un peu de temps. Hein. Forcément. Hop, on met l'assiette ici, parfait. Et du coup, il nous manque la bougie et le couteau. Oh là là, on va fermer la porte, hein. Je voulais passer par ici, moi. Donc le couteau, on sait où il est, par contre la bougie, je sais pas du tout. Ah, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Non, merde. Mon couteau. Non, je veux passer en dessous de la table, moi. Merci. Mais putain, je peux même plus passer en dessous de la table. Mais non, mais sérieusement, elle arrive à me virer. Vite, vite. Vite, le couteau, le couteau, le couteau, le couteau. Eh ben, c'est à moi. Eh ben, non. Bah alors. Bah alors, on trouve pas le couteau. Au revoir. Il est très tellement bien, ce jeu. Je pourrais passer des heures à jouer à ce jeu. Il est juste incroyable. Voilà, le couteau. Et il nous manque la bougie. Alors merde, attendez, le couteau, il faut bien le poser dessus. Faut pas qu'il tombe, voilà. La bougie, c'est peut-être par là. Ah, mais attendez, il y avait une assiette ici. Me dites pas qu'il y avait tout ce qu'il faut là. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi ça? Je sais pas. Ici, il y a des cartons. Est-ce que je peux récupérer les cartons? Non. La bougie, la bougie, la bougie. Pourquoi on peut monter sur la poubelle? On peut tirer la poubelle ou pas? Non. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle aboie? Mais donne-moi une fleur. Ah si, ça les amuse. Ah putain, d'accord, ok. Bah ça. Trop bien. Trop trop bien. Excellent. Excellent. Bon, du coup la fleur, je m'en fous un peu, on peut la poser. Trop bien, trop trop bien. Bon allez, il nous manque la bougie. Il nous manque la bougie. Et la chope vide, on peut se le faire la chope vide en vrai hein. Sauf qu'il y en a plus de chope vide. Faudrait que j'en retrouve une. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on peut peut-être allumer l'eau là. Ah, le bateau. C'est le bateau. Putain, je viens de le remarquer. Je croyais que c'était un chapeau. On a le bateau juste là. Il faut faire quoi? Obtenir le petit bateau. On va se cacher là. Non mais là tu m'as pas vu là. Et c'est pas où je suis. Putain, je suis. Je suis vraiment caché. Attends, elle me voit là. Et je me cache ici et... Non. Oh non, c'est en train de se vider. Non, 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 il faut rallumer ça. Je vais faire diversion. Non, 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 non. Voilà, voilà. Voilà, on fait diversion, on fait diversion. Je suis là. C'est bon, ça va déborder. Le bateau, il va tomber. On peut peut-être le... Allez, on peut le récupérer. Ah, merde, mais non, mais... Mais elle va réussir à me virer. Elle va réussir à me virer. Ah, cours. Cours, petit toi. Chope-moi ce bateau.
Ah mais merde! C'est bon, je l'ai! Je l'ai! C'est bon! C'est bon, on a réussi la tâche. Voilà, c'est bon, j'ai le bateau. Non mais je te laisse. Allez, allez, vite à vie. Ah mais elle est là! Ah mais la bougie, elle est là, regardez! Elle est juste là, en fait! Oh, j'aurais dû... Mais non, mais comment j'ai pas pu la voir? Bon, ouais, je suis passé assez rarement de ce côté-là, mais... Oh là 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 là. Non mais, allez, bon, attendez, on va courir, on va la récupérer tout de suite. Salut, je suis là, en fait. Go! Ah, non, 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 non. Ah, passons sous la table. Non, c'est bon. On l'a. J'ai la bougie. Oh, je cours. Ah bah voilà. Ouf. Bon, c'est bon. Ah mais vas-y, vire-moi, hein, je m'en fous, hein, j'ai pas envie de revenir ici, c'est bon, j'ai plus rien à faire là. Voilà. Eh. C'est quand même super propre, hein. Ce beau dressage de table, je pense qu'on peut pas faire mieux. Formidable. Alors du coup, il nous reste volé une chope vide et la jeter dans le canal. Bon bah, de chope vide, malheureusement, on en a plus. Hop. Non mais, vas-y, laisse-moi ton harmonica, s'il te plaît. Oh là, c'est le bordel. Il y a trop de monde. Laisse-le-moi. C'est bon, regardez. Maintenant, il faut attendre qu'il joue aux fléchettes. On va patienter. Allez, joue aux fléchettes maintenant. Il m'a pas vu là quand même. Non! Mais non! Il m'a pas vu! J'étais dans son dos, c'est pas possible! Vous pouvez pas me voir, j'étais dans son dos! Impossible! Je suis pas d'accord, c'est impossible. Alors malheureusement, on n'aura pas la vision. Ah, attendez. Ah, il joue aux fléchettes là? Non? Ah mais il attend toujours son harmonica. Mais attendez, il peut pas jouer sans son harmonica. Quel est le rapport? J'arrive pas à voir, c'est chiant. Ah si, c'est bon. Il va jouer aux fléchettes. Ok, go. Non. Oh merde, trop tôt. Trop tôt. Trop tôt. L'un trop trop. Beaucoup trop tôt. Merde. Oh, je perds tellement de temps. Allez. Allez, le vieux. Voilà, on va faire une partie de fléchette. C'est très bien une partie de fléchette. Tu joues même pas de l'harmonica depuis tout à l'heure, à quoi ça te sert? Il faut vraiment attendre qu'il fasse le mouvement, je pense. Voilà, donc là, il va se placer. Ok. Qu'on s'approche. Ça a fonctionné! C'est ce qu'il fallait faire! Fallait utiliser l'harmonica. Il n'était pas là pour rien, l'harmonica, en fait, hein. Bon, j'en ai plus besoin de ton harmonica, voilà. T'iras le chercher. Excellent. Et du coup, là, on a de nouvelles tâches. Faire tomber un seau sur la tête de l'homme... Ah, mais comment je peux l'amener là-bas? Là, là la porte est fermée. Ah, il va rentrer. Attendez. Tu l'as? Salut. Tu l'as? Il va venir. Donc là, je me cache. Et là, je fais tomber le seau. Oh, non, 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 non. Vite. Je fasse tomber le seau. Ah mais il va pas se mettre à côté aussi. Ah mais non, mais il repart là-bas. Viens. Là j'ai une tomate. Ah c'est bon, il vient. Oh trop bien, ça a marché. Tu l'as. Il se ramène. Ramenez-vous. Ah, oh, il veut la tomate. Vite, faut que je remonte. Vite. Allez. Go. Fonce. Allez, plus vite que ça. Non, mais sérieusement, il est trop rapide aussi. Comment il peut être aussi rapide que ça? Elle est en train de mettre le panneau interdiction aux oies. Est-ce que ça va nous aider? Ça va pas du tout nous aider, mais... Et il a vu cette tomate, hein. Elle va l'installer où? Ah bah, elle va l'installer à l'entrée, forcément. Ah, mais c'est parce qu'elle a pris le panneau. D'accord, je viens de comprendre. Elle a pris le panneau, elle l'a déplacé, et maintenant, on a du coup les tomates qui sont visibles, en fait, dans le carton. Puisqu'elle a dû bouger le carton. Allez, il faudrait qu'il vienne. Voilà, maintenant, je pense que là, ça va être bon. Il y a des tomates, là. Ah, attendez, je sais. Je vais prendre les tomates, je vais les mettre à l'extérieur. Comme ça, il va devoir les replacer. C'est bon. Non, t'occupe-toi des tomates. Il va s'occuper des tomates, forcément. Allez, il va aller s'occuper des tomates. Voilà, et là, je peux monter. C'est bon. On y va. Et là, le temps qu'il replace les tomates dans le carton.
réussi enfin! Oh mon dieu, c'était long et compliqué! On a réussi et voilà! Oh le pauvre, pauvre homme! Pauvre homme qui n'a rien demandé! Qu'est-ce qu'il fait du coup? Attendez, il est en train de faire quelque chose, il est en train de prendre les cartons. J'ai l'impression qu'il les amène quelque part d'autre. Et bah du coup, il n'y aura qu'une tâche qu'on n'aura pas réussi à faire, du coup, c'est voler une chope vide et la jeter dans le canal. Et je pense que... Bah je pense qu'en fait, cette tâche, on ne peut plus la faire. Puisqu'on a cassé déjà les deux chopes. Ah, regardez, il nous a fait un passage du coup. Non mais... Oh putain. Oh, j'en peux plus. Oh, je vais devenir fou. T'as le cul tout rouge, mon gars. Vas-y, va-t'en. Ah, il nous a fait un passage. Excellent. Il y a pas de chope ailleurs, et j'ai l'impression que non. Et là, du coup, on peut passer et aller de l'autre côté. Ouais, ça nous fait une sorte de... Mais... Ah! Je vais devenir fou! Oh, je deviens fou. Vas-y, ouvre cette porte. Non, mais... Pourquoi il y a tout le monde qui vient là, d'un seul coup, là, il se passe quoi? Bah, vas-y, hein, ça te fait plaisir, moi, je vais passer de l'autre côté. Voilà, comme ça, il se barre, et comme ça, on est tranquille. Enfin. On est d'accord qu'il n'y a pas de chope de ce côté-là. Non, il n'y a pas de chope de ce côté-là. Très bien. Donc là, on peut passer ici, on monte dessus, et on passe de l'autre côté. Et on peut ouvrir la porte. Excellent. Et voilà, on a terminé du coup ce nouveau level. Ah, ça m'emmerde en vrai d'avoir loupé une tâche. Parce qu'on avait réussi toutes les tâches. Alors presque. Parce qu'au premier level, on avait loupé. Faire en sorte que le jardinier porte son chapeau de soleil. Ça, on l'avait loupé. Entrer dans le village miniature, voler la belle chose dorée miniature. Oh, c'est quoi ça? Attendez, il y a deux tâches. Oh, on est dans un village miniature. Comment j'ouvre ça? Ah, on peut peut-être passer par là, attendez. Vu qu'il y a de l'eau. Le village miniature. Oh, excellent. Et donc là, ah, on va revivre un peu tout ce qu'on a vécu. On a tous les levels. Regardez ici, on a le jardin. Après, on a du coup... Ah, c'est mignon. C'est vraiment mignon. Ici, on a le petit village, vous vous rappelez. Avec l'enfant. Ensuite, voilà, on passe aux deux maisons. On traverse le pont. Ah, oh, c'est vraiment bien foutu, c'est vraiment mignon, je trouve. C'est très mignon. Je peux passer en dessous? Oh, excellent. Donc je dois voler la belle chose dorée miniature. On arrive peut-être à la fin du jeu. Et on arrive au château. Oh, on doit voler la cloche. Oh, on a détruit le château. Tout ça pour une cloche. C'est ma cloche. C'est ma cloche! Je. Ah, ça a du mal, hein. Ça a quand même un peu du mal. Oui! Non, mais me dites pas qu'on va pouvoir faire chier tout le monde avec une cloche. C'est trop bien. Nouvelle tâche. Et la ramener jusqu'à la maison. Je dois passer par où? Oh, on va pouvoir faire chier tout le monde avec la cloche. Ah, ça va être incroyable. Oh là 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 là. Déjà qu'on était bien chiant, à une cloche en plus. Réveillez-vous! Et comme ça, on va bien emmerder tout le monde avec notre cloche. Ça va être formidable. Allons-y. Bon, on va quand même finir le jeu, tiens, je pense. Je pense que c'est la fin du jeu, donc on va pas refaire une vidéo sur le jeu si on est à la fin. Putain de merde. Loi horrible. J'ai envie de voir la réaction. Ah, ils vont tous me poursuivre! Non! Ah oui, ils vont tous me poursuivre! Oh, horrible! Ah non, mais attendez! Ah non, mais ils la reprennent! Oh non! On va devoir refaire le chemin à l'envers, mais à chaque fois, ils vont me reprendre la cloche! C'est ma cloche! C'est ma cloche! Rendez ma cloche! T'as le village qui me suit. T'as le village entier qui est en train de me suivre. Trop bien. Putain. J'y crois pas. Ah mais c'est bon, on revient au début là. Ah mais voilà, il y avait le petit raccourci. Parfait. Donc là je peux ouvrir. Ah merde, c'est fermé. Ah non, c'est fermé ici, je peux pas l'ouvrir. Horrible bruit, même moi je commence à en avoir marre. Mais attendez, par ici c'est quel passage là?
Je peux passer par là réellement? Ah ouais, c'est fermé. Je suis horrible. Donc là, on va repasser du coup par la maison, si je me souviens bien. Voilà. Alors, je suis pas sûr que c'est... Mais si, c'est forcément ce qu'il faut faire. Au secours! Ah, je vais devoir refaire tomber le tiroir. Eh, ma cloche! C'est ma cloche! Au revoir! C'est ma cloche! Non! Ah! C'est trompé d'objet. Nul! Nul à chier! Donc là, on peut repasser par là. Ah bah non, on est bloqué là du coup. Comment je fais pour aller de l'autre côté? Il y a peut-être un autre passage en bas. Il y a pas un passage là? Raté! Ah si, on peut sortir par là. C'est bon, on peut sortir par là. Nice. On va y arriver, hein. On va retourner jusqu'au... On va retourner au bout. On va le faire. On va le faire. Je vous assure, on va le faire. Oh, j'en peux plus. J'en peux plus. Et c'est même pas... En plus, c'est même pas moi qui fais du bruit moi-même, là. Hein. C'est... Ouais, c'est en bougeant. La cloche fait du bruit, forcément. Ou sinon, faudrait retourner, voilà, à la maison, comme ça. De cette façon. Allez, on les provoque. Ok. Oh, bon, ça va. En vrai, on va revenir assez vite. On est revenu au village. Oh, non! Putain, à chaque fois, ils arrivent à me la prendre quand même. Au revoir! Oh, mais... J'en peux plus de ce jeu. Ah, même le gamin, il s'y met. Non! Au secours! Maltraitance animale, on en parle? Ah, mais je peux pas passer là? Ah, mais je suis coincé, là. Au secours! Au secours! Je suis coincé. Il faut aller en haut. Oh, il va vraiment me coincer, lui. Ok. Ok, ok. On va y arriver. Oh, mais merde! On passe par au-dessus. C'est bon. On va y arriver. Non! Non, il y a le gosse! Eh bah raté. Raté, mon ami. Ah, ok, bon. Là, il nous reste uniquement le jardin. Et on aura terminé, en fait. On aura terminé. Alors, toi, je vais juste, voilà, tourner comme ça. Et comme ça, on pourra continuer à emmerder tout le monde avec cette cloche. Ah, mais on est arrivé ici, oui. Non, on est bientôt à la maison. Va chercher tes clés si tu veux. Moi, j'ai besoin de ma cloche. C'est bon. On est bientôt à la maison. On est bientôt rentré. Maman, papa, j'arrive. Et bah voilà. Et voilà, nous revenons du coup au tout début de l'aventure. Voilà. Incroyable. On était passé par où? Par là. Nous y sommes au tout début de l'aventure. Et voilà. Oh! Depuis le début, en fait, on ramène plein de cloches. Réellement incroyable. Vous imaginez toute cette aventure pour finalement ramener des cloches. Tout ça, c'était juste une noix qui ramenait à chaque fois une cloche. Incroyable. Incroyable jeu, 20 sur 20. Un indispensable. Un indispensable, déjà un classique. Juste incroyable. Bah écoutez, franchement, c'était bien cool. J'ai beaucoup aimé. Bon, le jeu est assez court en soi. Voilà, à peu près 2 heures de jeu, voire 3 heures si vous êtes comme moi, nul à chier. Bon, dommage, on n'a pas réussi toutes les tâches par contre. Bon, c'est pas grave, on en a quand même réussi pas mal. Donc, on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci à tous, portez-vous bien. Salut.